sa conduite dans sa façon de marcher. Il avait un pas rapide mais mesuré. Il marchait plus vite que ses compagnons, qui avaient d'ailleurs du mal à le suivre. Il marchait pieds nus ou chaussés. Ses compagnons marchaient devant lui. Il marchait parfois avec un ou plusieurs de ses compagnons. Sa conduite dans l'évocation d'Allah. C'était celui qui évoquait le plus Allah. D'ailleurs, toutes ses paroles étaient du rappel d'Allah ou y étaient liées. Il évoquait Allah au réveil, en commençant la prière, en sortant de chez lui, en entrant à la mosquée, le matin et le soir, en s'habillant, en rentrant chez lui, en entrant aux toilettes, après et avant les ablutions, lors de l'appel à la prière, à la vision du croissant lunaire, avant et après manger, et après avoir éternué, etc.